Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Si je vous dis Illuminati, reptilien, terre plate, tour jumelle ou même encore réchauffement climatique, à quoi pensez-vous? Théorie du complot. Eh oui, le complotisme a de nouveau le vent en poupe. En mai 2014, une étude Ipsos a même révélé que 20% d'un panel de 1500 personnes âgés de 15 à 65 ans, croyaient à l'existence actuelle des Illuminati. À l'heure où nous croulons littéralement sous les informations du monde entier, où certaines sont relayées massivement alors que d'autres disparaissent écrasées par ces dernières, il est important d'y voir plus clair et de comprendre cette notion ambiguë qu'est le complotisme. Déjà, au Moyen-Âge, il était à l'œuvre. En 1349, alors que la peste noire décime un tiers de la population européenne, une rumeur circule en France et en Allemagne. Les Juifs seraient responsables de cette hécatombe en empoisonnant l'eau des puits. En 1797, l'abbé Baruel, dans ses mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme, défend l'hypothèse selon laquelle la Révolution française serait le fruit d'une conspiration antichrétienne. L'expression même de théorie du complot prend naissance dans un article du journal Le Monde le 7 octobre 1966 pour évoquer l'assassinat du président américain John Fitzgerald Kennedy. Aujourd'hui, le grand remplacement, la main invisible de la finance ou même le réchauffement climatique peuvent être parfois assimilés à du complotisme. Selon Karl Popper, philosophe du début du XXe siècle, la théorie conspirationniste serait l'opinion selon laquelle l'explication d'un phénomène social consiste en la découverte des hommes ou des groupes qui ont intérêt à ce qu'un phénomène se produise. Parfois, il s'agit d'un intérêt caché qui doit être révélé au préalable et qui ont planifié et conspiré pour qu'il se produise. Le complot est toujours issu de deux domaines antagonistes, l'histoire et le merveilleux. L'histoire ne fait pas débat puisqu'il existe de vrais complots, sourcés, comme la conjuration de Pison pour assassiner Néron en 65 de notre ère, qui est rapportée par Suétone et documentée par Tacite au livre 15 des Annales. Ou encore l'opération Valkyrie du 20 juillet 1944 pour assassiner Adolf Hitler. Aussi, comment départager le vrai du faux? Pour se trouver face à une théorie du complot, il faut pouvoir rassembler plusieurs critères spécifiques. Selon Jean-Baptiste Guillon, philosophe à l'Université de Navarre, ils sont au nombre de trois. Le premier est une remise en cause de la version officielle des experts, qu'ils soient politiques ou scientifiques. Le deuxième point repose sur les sources de l'information donnée. La théorie du complot ne repose pas sur des informations privilégiées, mais sur des informations publiquement accessibles, ce qui permet une vérification et validation pour le consommateur du complot. Et le dernier point est la conséquence des précédents, qui permet d'imaginer une explication alternative en connectant ces données accessibles. Ces données sont généralement nombreuses, anecdotiques ou sélectives. De plus, le théoricien du complot choisit ces données en fonction d'un schéma prédéterminé, contrairement au scientifique, qui va évidemment dans le sens inverse. Il part des données récalcitrantes et essaie d'élaborer une théorie encore inexistante pour les reprendre à son compte. Ainsi, l'esprit critique, tel que l'entend la philosophie des Lumières, est dit sceptique pour le complotiste. Ce scepticisme produit dans le raisonnement un rejet indifférencié de toutes les sources de témoignages, y compris celles des experts, réfutant ainsi toute autorité. Pourtant, le vrai visage de l'esprit critique repose sur le discernement entre les sources fiables et les sources douteuses. De tout temps, l'esprit humain a cherché les causes cachées pour
pour comprendre le monde dans sa rationalité. C'est un trait inhérent à la raison humaine. Dans la rhétorique, le complot n'est jamais déterminé par « je » ou « tu » ou encore « vous », mais par « eux », ceux qui complotent. Cette utilisation de la troisième personne n'est pas anodine. Elle permet la dénonciation du complot en pointant toujours un tiers étranger à sa communauté. Pour prendre vie, le complot se nourrit de ressorts ordinaires et irrationnels, comme la peur ou encore la haine. Selon le célèbre anthropologue René Girard, le complotisme oppose la communauté de citoyens correspondant au « je » et au « tu » à « il » au pluriel, c'est-à-dire la communauté des puissants qui pilotent la société. Dans nos cités modernes, cette contestation de la validité du contrat social sur lequel reposent les institutions révèle le symptôme d'une crise de l'ordre démocratique basée sur l'élection. Il est révélateur d'une volonté populaire de reprendre le pouvoir et fait ainsi bon ménage avec les aspirations révolutionnaires. C'est ainsi une fiction qui invite à l'action et à la réaction. Cette réalité cachée, ainsi révélée à travers le complot, suppose réparation. Dans son édifice, le complot ne s'embarrasse pas d'exactitude et le met ainsi à l'abri de tout démenti possible. Il est, pour René Girard, révélateur d'une grave crise du statut de la vérité dans les sociétés développées. Cette incertitude sur la vérité amène le complot à se reposer essentiellement sur la fonction émotive des personnes. Il n'a pas besoin de longs discours. Il n'est pas une vérité, mais forge une conviction et le fact-checking a tendance à amplifier sa résonance sans pour autant l'anéantir. Pourtant, de nos jours, nombreux sont ceux qui sont parfois désignés comme complotistes. Selon Noam Chomsky, le concept de théorie du complot est parfois récupéré par les politiciens conservateurs dans le but de décrédibiliser leurs opposants. Le complot devient ainsi un moyen de discréditer son adversaire en l'inscrivant dans l'irrationalité. Est-il pour autant inscrit dans l'irrationnel ? Est-il rationnel aujourd'hui de raser les forêts pour plus de consommation ? De souhaiter développer son individualité par le matérialisme dépendant exclusivement d'un esclavagisme délocalisé. Bref, la question de rationalité semble seulement pertinente pour la majorité qui s'en empare. Y a-t-il complot ? Oui ou non ? Finalement, peu importe, il est avant tout le symptôme d'une tension. Comprendre l'émergence de théories du complot revient, selon Cramer, en grande partie à tracer la genèse de la défiance vis-à-vis des institutions au sein des collectivités. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à toutes et à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était ? Oh ! Oh ! Oh ! C'était un pur délire. J'ai trouvé ça ouais, Green, oui. Green, comment ? Oh, super green. Green aussi green que ça peut être. Green, la puissance des green, 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 tu vois. Mais tu vois, green, green, absolument. Green, green.